Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo. Je fais le débriefing pour la journée du 14 mars 2018. Alors bon, ça a été une journée, on peut dire, très particulière puisque je suis parti à 7h du matin et je viens juste d'arriver à destination 14 heures plus tard. J'ai fait 900 km de route pour récupérer les 500 livres que je vais offrir. Les traders sont des vrais communistes au salon du trading. Bah écoutez, ça fait plaisir parce que je l'avais jamais vu encore, le livre. Donc maintenant j'en ai 500, j'ai un diable avec 5 caisses pour transporter tout ça. Ça va me rappeler le temps où je faisais le Fort des Halles. Voilà, c'est bien sympathique. J'ai quand même tradé, malgré le fait que j'ai fait de la route toute la journée. Alors j'ai tradé uniquement sur mon iPhone. J'ai tradé uniquement sur mon iPhone et les résultats ont été plutôt bons. Hein, parce que comme j'ai tradé sur mon iPhone, essentiellement j'ai tradé juste sur les CFD risque limité et j'ai pu faire 1831 euros. Je commence à monter un petit peu la cadence sur les CFD risque limité puisque je trade à 25 euros de 25, 50, 75, 100 euros le point sur le DAX et puis j'ai fait une petite percée à 100 dollars le point sur le Dow Jones 30. Mais je me suis fait une frayeur hein, ce matin dans le Good Morning Trading. Vous avez dit que j'allais être très frustré si je n'allais pas pouvoir trader, si je faisais de la route. Et j'ai craqué quand j'étais sur l'autoroute. J'ai pris mon iPhone et c'est le premier trade qui est là. Et bon, c'est pas bien, etc., etc. Je sais, faut pas prendre son téléphone portable sur l'autoroute. Je me suis fait une frayeur, j'ai pas eu d'accident, mais comme j'allais vite, j'allume l'iPhone, je vois le cours, je me dis ouh, je vois que ça rebondit sur les 12 250 et je me dis c'est bon, ça va peut-être aller monter 60, 65, 70 et je prends 20, 25 lots et j'appuie sur acheter. Seulement comme j'étais beaucoup trop vite, je pensais que c'était 25 lots à 1 euro le point, soit 25 euros le point sur le DAX, qui est une petite position tranquille pour moi. Et en fait, je me suis trompé. C'était 25 lots à 25 euros. Donc j'étais à 625 euros le point. Et j'ai passé mon ordre et je regarde et je vois moins 1200, moins 1800 euros. Je me dis, j'aime pas de pouce, je vais me taper un flash crack, quoi. Et je regarde et je vois que j'ai perdu que 3 points et je suis déjà à moins 1800 euros. Et là, je comprends tout de suite que j'ai fait une bêtise. Et effectivement, j'étais à 625 euros le point au lieu des 25 euros attendus. Là, le cœur s'est mis à battre un petit peu plus vite et j'ai essayé de gérer au mieux. On est descendu jusqu'à 8 points de moins 8. Donc ça faisait moins 5000 euros. Donc là j'ai fait comme si c'était des lots à c'est comme si j'en étais à 25 euros le point. En priant pour que ça ne s'effondre pas d'un coup, qu'il y ait une sorte de mini flash crack et que je me trouve à moins 50 points, ça, 600 euros le point, 625 euros le point, ça aurait fait moins 30 000. Et dès que j'ai pu sortir en flat ou avec un léger gain, j'ai encaissé. Donc là j'ai pris en fait 11 points à 25 euros, donc 275 euros. Hein, c'est ce que l'on voit là, c'est le premier trade. Et là ça m'a complètement vacciné. Donc tous les autres trades que j'ai passés, je les ai pris uniquement dans une quand je m'arrêtais dans les stations service. Et les derniers trades sympathiques que j'ai pu prendre, notamment celui-là, c'était en mangeant mon jambon au beurre avec une part de flan.
et je tradais comme ça discrètement avec mon iPhone. Donc là, ça montre bien que bah, je suis accro. Alors, je suis quand même très content de ma journée. C'est une belle journée. J'ai pas l'impression d'avoir perdu, entre guillemets, mon temps. J'ai fait 1800 euros. C'est mon rythme de croisière quand vraiment je peux super bien trader toute la journée en étant concentré. Sinon, je tourne plutôt à 1000 euros la journée. Donc là, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps, même si j'ai fait 900 km pour aller chercher 500 livres pour les donner ce vendredi au salon du trading. Je vais pas aller plus loin parce que je suis complètement KO. Parce que maintenant, il faut que je retourne à Paris et je me retape encore beaucoup, beaucoup d'heures de route. Donc, on se retrouve demain matin pour un Good Morning Trading que je vais tourner vers 6h du matin, je pense, pour pouvoir repartir en voiture. Par contre, demain, je ne traderai pas du tout, du tout, du tout. Je ne m'arrêterai même pas dans les stations de trading, dans les stations d'essence pour me mettre à trader. Là, faut vraiment que je rentre le plus rapidement possible sur Paris, que je prenne ma chambre d'hôtel et que je dorme pour être en forme vendredi, parce que ça va être une journée non-stop, 15h ou 16h non-stop, debout, à rencontrer plein de gens, à discuter, beaucoup d'émotions. Donc je vais vraiment être au top vendredi. Voilà, donc que peut-on retenir de cette journée? Je suis accro au trading, j'ai besoin de ma dose. Il ne faut pas trader quand on est sur la route. Je le savais, c'est pour ça que j'ai insisté, mais je savais que j'allais peut-être craquer. J'ai fait n'importe quoi parce que 25 euros, 25 lots à 25 euros, ça fait 625 euros le point. J'aurais pu flinguer mes résultats du mois. Hein. Je rentrais, j'avais pas de chance, il y avait une mini bougie, une trentaine de points. J'étais à moins 18 000 euros. Hein. Avant même de peut-être même réaliser ce qui se passe. Et depuis le début du mois, je pense pas que j'ai fait 18 000 euros. Hein. Tac, mon cours. Ah si, ouais. J'ai fait 19 700 euros depuis le début du mois, on est à la moitié du mois, ouais. Donc c'est un bon rythme. Mais voilà, j'aurais pu flinguer 15 jours de trading sur une connerie pareille, sur une erreur de manipulation. Bah, évidemment, quand je tape sur mon iPhone que je conduis, je regarde la route. Hein, donc voilà, j'ai pas fait attention, j'étais comme ça, en fait j'étais comme ça. J'ai vu le cours, ok, je conduis, je vois le cours, ok, je tape Dax, 25, achat. Et c'est après que je vois que c'était pas les bons lots. C'était un peu plus cher que je le croyais. Bon. Et c'est passé parce que j'ai pas mal de capital sur mon compte. Donc si j'avais eu très 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 peu de capital, l'ordre ne serait pas passé en disant vous avez pas assez d'argent sur le compte. Mais voilà, j'en avais insuffisamment pour prendre 25 lots pleins, en tout cas. Je vous laisse, je vais me coucher. On se voit à 7h du matin pour le Good Morning Trading. Il n'y aura pas de vidéo de débriefing demain parce que je vais passer zéro trade et là vraiment je m'y tiens. Priorité à me reposer pour être en forme vendredi. Sur ce, je vous souhaite une belle, belle, belle journée pour demain. Il se passe vraiment beaucoup de choses, c'est assez passionnant et voilà. Je peux pas tout faire, mais là je suis le chauffeur routier en ce moment. Transporteur de livres. Ciao!